Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'As Another Homepage. Je suis Nils, j'espère que vous allez bien et que le son est correct. On se retrouve pour ce nouvel épisode de découverte de Paywall et PyVPN. Salut à toi, Haribo, j'espère que tu as passé un bon week-end et un bon dimanche. Alors, avant de démarrer, je voudrais juste remettre la main sur le petit schéma qui va bien. Vous remarquerez que j'ai encore fait quelques changements en termes de, en termes d'angle de caméra. Salut à toi Xavier. J'espère que tu as passé un bon week-end et un bon dimanche. Alors, voyons voir ça. Et ouais, c'est bon, j'ai le petit schéma qui va bien. Et on va peut-être retoucher encore un petit peu le son du micro. Hop, voilà, normalement ça devrait être un peu mieux. Alors, avant de démarrer, les petits changements. Alors effectivement l'angle de caméra, le micro qui est pas au même endroit, c'est juste parce que comme je l'ai indiqué sur notamment sur les réseaux sociaux et aussi sur le serveur Discord de la chaîne dont l'adresse est en dessous et que je vous invite bien entendu à rejoindre, c'est que j'ai refait un petit peu on va dire le, je vais pas dire seulement le câblage, mais voilà, le meuble, le mobilier du Home Lab a été un peu upgradé. Et alors, est-ce que j'ai une petite photo quelque part? J'en avais posté une sur Twitter. Et c'est pas forcément la meilleure photo, mais ouais, bon, c'est une photo un peu avant. Mais je peux vous la je peux vous la montrer. Alors, new window, hop là, voilà. Et on va passer comme ça. Et donc là, on a ça s'est mis comme ça finalement. Alors ça, c'était avant de recâbler. Et donc nouveau meuble dans lequel il y a quatre machines. Alors à terme, il n'y en aura pas 4 normalement. L'idée, c'est que celle qui est tout à gauche, d'ailleurs, on voit dans le reflet hein, tout le câblage qui reste à faire. J'avais pas fait attention en prenant la photo. D'ailleurs, la photo est tellement lumineuse que le reflet sur la tour de droite, le truc est tellement blanc que du coup, on voit plus ce qu'il y a derrière. Mais toujours est-il que l'idée, c'est que les deux machines de gauche, il n'y ait plus que celle qui est tout à gauche, en fait. Voilà, voilà. C'était juste pour vous montrer un peu les aventures du jour qui ont fait que peut-être j'aurais failli ne pas streamer aujourd'hui. Surtout qu'on a eu un peu peur sur sur la connexion Internet. Le remontage de la box a été une belle aventure. Bref, toujours est-il que maintenant, petite vue sur le labo virtuel du jour, qui consiste à découvrir Paywall et PyVPN. Lors de l'épisode précédent, on a mis en place ce labo et on a commencé à installer Paywall. On a un petit peu, on est allé un peu farfouiller dans l'interface web, on est allé regarder 2-3 bricoles. Et je crois qu'aussi, on avait coupé le DHCP du routeur pour que le Paywall soit serveur DHCP. Des trucs que je n'ai pas fait en live, de façon à nous faciliter l'existence et à rendre les choses plus rapides pour ce soir. Je vais en profiter d'ailleurs tout de suite pour modifier un petit peu le schéma. C'est qu'on a... Alors, on n'a pas de serveur web ici pour le moment. Je vais l'enlever, on verra bien ce qu'on en fera. Hop. Et je remets ici. Et ici, je vais mettre un client sale. Alors pourquoi sale? Parce que j'ai mis une VM Windows dans le réseau. Et du coup, comme ça, on va pouvoir voir un peu à quel point un Windows est verbeux sur le réseau.
Ensuite, on pourra commencer à se faire la main sur PyVPN après. Mets des gants malheureux. Salut à toi, Rancune. Safety first. T'inquiète, pas de soucis. Donc, d'abord, la première chose, c'est qu'on va essayer de se reconnecter un petit peu à notre environnement. Alors, hop. Viens voir par là, toi. Est-ce que j'ai mis password? Oui, j'ai bien mis password, comme d'habitude. Alors, est-ce que je peux... Hop, glisser ça ici. Voilà. Alors, j'imagine que depuis, il y a dû y avoir des mises à jour, mais c'est pas grave. Restaurer la session. Hein. Ok. Alors ma première remarque, vu qu'on est sur le network overview là, c'est le hardware address. Donc, je vais le redire, mais je pense que normalement les habitués de la chaîne doivent le savoir, c'est que la plupart du temps, quand je fais de la virtualisation, je le fais sous KVM libvirt. Salut à toi Guégué, bienvenue. J'espère que tu as passé un bon week-end. Donc à chaque fois, j'utilise les adresses MAC par défaut générées par libvirt et par libvirt donc. C'est assez marrant que là, il me détecte du real tech ou du uptech. Salut à toi FCLab, j'espère que tu as passé un bon week-end. Donc c'est assez amusant de voir dans les machines... Les trucs détectés, il me dit au fait c'est du real tech. Donc je ne sais pas si je sais pas si c'est une erreur du côté de la base de données qu'utilise PyHall pour les fabricants de cartes réseau. Je sais pas si c'est je sais même pas s'il y a une comment dire si c'est connu, si des gens l'ont remarqué. Je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer de discuter avec des gens de la communauté PyHall pour voir ça. Donc, je vais peut-être revenir sur le dashboard quand même à la base. Total queries. Oui, bah oui, forcément, j'ai allumé le lab avant de démarrer le stream. Donc forcément, il n'y a pas d'activité avant. Et pour le moment, on peut voir puisque alors j'aurais bien aimé pouvoir voir s'il y avait moyen de faire une petite remise à zéro des logs. Pour justement remettre le dashboard à zéro, parce qu'on peut voir que bah ouais, il y a eu plein de trucs Microsoft qui ont été vus, tout simplement bah parce que comme je vous ai dit dans la semaine, j'ai installé une machine Windows. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut aller regarder un petit peu au niveau des clients? Il n'y a pas de truc. Tiens, ah non, ça c'est quoi? Known client. Ah, donc si je prends lui. Ah, d'accord, je peux faire commentaire et je peux. D'accord, je peux vraiment. Lui, on va l'appeler SalOS. Hein. Voilà. Add. Et normalement, cette machine-là, on va l'appeler client 0, je pense. Puisque elle doit être sur le réseau PyHall 0. Non, qu'est-ce qui me... Il m'affiche pas le... Bon, après, voilà, c'est une Fedora 37 bêta, hein, donc il y a peut-être des trucs qui risqueraient de ne pas fonctionner. Mais normalement... Alors, celle-ci, on va l'appeler PyHall-router. Hop. Et... 0.52, ça, c'est le PyHall. 0.100, ça doit être la nôtre. PyHall client 0. Hop. Hop. Voilà, d'accord, et il nous les met comme ça. Ok, très bien. Et donc ça permet effectivement de garder. Ok. Long term data graphique. Ah, il y a moyen d'aller faire des. Hop. Et là, forcément, bah oui, sur les 30 derniers jours, il y a eu
le test. Et on peut voir le lendemain quand j'ai voulu faire joujou et installer tout ce qu'il fallait. Voilà, exactement. Incoming Telemetry Mozilla. Donc voilà, on saura maintenant que, mais je crois que ça c'était assez connu, que même Firefox a des outils de télémétrie. On notera aussi des trucs liés à Debian, puisque Debian a aussi des... alors Fastly DNS, je crois que ça c'est un CDN qui s'appelle Fastly. Smartscreenmicrosoft.com, Amazon.fr. Comment ça se fait que j'ai eu le... Mais voilà, c'est assez marrant, il y a des trucs, je me demande comment j'ai pu y accéder. Je pense que c'est forcément la machine Windows qui a été... Bah d'ailleurs, on va l'allumer, cette machine Windows. Enfin si, elle est déjà allumée, mais on va y accéder. Elle est où ? Payolwin, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et donc, maintenant que je me suis logué, est-ce qu'on peut se faire un petit scale display. Voilà. Salut à toi, McCall. J'espère que tu as passé un bon week-end. Donc là, vous voyez, avec... pourtant, hein, j'ai... ah, tiens, j'ai des mises à jour. Ok, soit. Pourquoi il me met en Fahrenheit? Bon, pas grave. Restart require. Ouais, bon, ok. Bah non, ce PC n'a pas les requirements pour Windows 11, mais c'est pas grave. Mais toujours est-il que... ouais, il y a plein de trucs, Microsoft Store et compagnie. Et alors maintenant, si jamais je vais dans le dashboard. À moins que j'aille regarder directement au niveau des clients. Si je, non, je ne peux pas cliquer dessus. Ah oui, d'accord, il y a des groupes. Ok. Dans les outils. Ah oui, ça c'était plus du domaine. Non. Query log, hein, alors. Alors, on va filtrer par SalOS. Hein. Pour les MAC adresses, on a adresse locale, mais RealTech also reported pour 52, 54. Ah, sur MAC Lookup. Hop, si je mets SalOS. Non, ça passe pas. D'accord, donc je peux lire. Ah oui, bon, le desktop machin chose, on sait que c'est le Windows. Alors, McCall, ça serait intéressant. Hop, est-ce que je peux le. Ouais. Alors. Locally administered address. Ah. Ok. Donc, a priori. Si je comprends bien, ça voudrait dire que les adresses MAC en 52-54-00, je crois, ça veut dire que c'est des MAC adresses qui sont habituellement utilisées principalement par les outils de virtualisation. Et a priori aussi, il y avait eu du... parce que l'adresse locale, pour moi, enfin d'après ce qu'ils se disent, hein, si c'est assigné par un administrateur réseau, et que ça surcharge ce qui est sur le matériel. Ça c'est intéressant aussi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il existe des appareils, notamment je crois que les smartphones modernes de ces peut-être 4 dernières années font ça aussi. Où en fait, ils vont sur différents réseaux, voire même sur un même réseau, au fur et à mesure de leur reconnexion, ils vont présenter une adresse MAC qui est différente pour empêcher quelque part justement les quand ils disent to prevent observers, c'est pas seulement les administrateurs, mais potentiellement des gens qui veulent faire du profiling ou vraiment faire des choses, enfin vraiment essayer d'espionner les gens, d'éviter justement de reconnaître les gens comme ça. Donc c'est assez intéressant. Merci d'avoir regardé McCall. Merci beaucoup. Alors,
Pendant ce temps, voyons voir ça. Donc forcément, il y a le truc sur la météo. Donc en fait, le Windows, il met à jour régulièrement la météo. Et en plus, bim, je me mange des actus, dont je n'ai, on va pas se mentir, que faire. Ah non, c'est pas ça que je veux, voilà. Non, c'est pas ça que je veux. Hop, voilà. Donc forcément, si je refais show all... Ouf. Ouais, d'accord. Hop. Et donc voilà, il est allé chercher des trucs. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut rajouter... Oh punaise, office365.com. Oh là 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 là. Ah, il est allé chercher des trucs amazontrust.com. Non mais sérieusement, non mais... Mais je t'ai pas demandé d'aller... Je t'ai pas demandé d'aller dire à Amazon que j'ai installé un Windows, quoi. Et pourquoi t'es allé faire une recherche sur Bing? Je t'ai pas demandé d'aller sur Bing! Sérieux? Non mais sérieusement, enfin c'est pas... C'est pas un OS, c'est un mouchard ce truc! Assets MSN, ouais non mais franchement, enfin... Voilà, enfin je t'ai... Mais je lui ai rien demandé le... En fait c'est Cortana... Faudrait essayer avec Ubuntu de base pour voir si c'est pas pareil, notamment pour Amazon. Ah, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Manage your tracker settings. Télécharger, non? Il est où le Enterprise Developer Download? Ok. Ubuntu Desktop. On va prendre la 2210. Hein. Allez. Et il a lancé le téléchargement. Ok, parfait. Alors, ah zut. Reviens par là, toi. Hop. Alors, MacCall, ouais, donc l'Ubuntu de base, ok. Fips01, d'ailleurs, salut. J'espère que t'as passé un bon week-end. Alors, salut, tu vas être choqué. Moi, j'ai 40% de mon trafic qui se fait bloquer. Alors, pour le moment, Fips, on a justement désactivé le blocage. C'est ça qui va être marrant, après, on va bloquer. Et MacCall qui dit, tu fais de l'Exodus Privacy, mais pour OS de bureau, en fait, avec ça. Ok. A priori, pour Emmanuel, 40%, ça paraît tout à fait honnête. Ok. C'est qu'il a fini de télécharger. Ok, allez. Je vais aller balancer ça sur le Home Lab. Allons-y. D'ailleurs, c'était assez marrant quand j'ai récupéré l'image ISO pour le Windows 10 directement sur le site de Microsoft, ce qui est assez cool quand même, malgré tout. Tout n'est pas acheté sur ce système. Je me suis retrouvé un peu embêté avec quelle version je prenais en termes de langue, parce qu'ils ont, bon, français, mais je ne voulais pas le mettre en français. J'y avais anglais et anglais international. Hop là. Récupérer l'ISO d'un OS sur le site de cet OS, oui, c'est cool. Bah, disons que aujourd'hui, récupérer, enfin, il fut une époque où voilà, récupérer une image ISO de Windows quelque part, c'était, enfin. Si on n'avait pas le droit de le télécharger directement, c'était un peu embêtant, quoi. Wall Street English. alors, allons-y.
Hop, on va se faire une nouvelle VM. New. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai partagé ça sur Twitter aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a remarqué que sur une même machine physique, une installation par défaut non graphique, donc plutôt en mode serveur, assez minimal, mais pas non plus, plus dans les paramètres par défaut en disant voilà, fais juste une install de base en mode serveur. Une Ubuntu consomme moins d'énergie qu'une Debian. Alors, Ubuntu, poupoupoupoum, là. 22.10, hop. 2 cœurs, 4 gigs, c'est très bien. On va te mettre un petit 10 de 60. Allez. Et on va l'appeler payol-ubuntu. Hop là. Et on va le mettre dans justement le réseau payol 0. Finish. Hop. Trailer install. Et je pense qu'on va pouvoir. Hop. View. Scale display always. Alors, effectivement, MS s'est amélioré sur la fourniture des ISO, je reconnais. Mais bon, j'avais pas. Oui, tant qu'à faire. Hein. D'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que j'étais présent au salon Open Source Experience cette semaine à Paris. J'en ai profité pour streamer le montage d'un manchot en Lego. Je sais pas ce qu'il fait exactement chez Microsoft, mais le Michel Microsoft, alors qu'il s'appelle en réalité Frédéric, est passé sur le stand Linux FR et en dehors de son job, le gars a l'air tout ce qu'il y a de plus sympathique, hein. Il est gentil comme tout, hein. Ok, je t'ai pas demandé de faire du bruit, Ubuntu. C'est quoi ces OS qui font pas ce qu'on leur. Enfin, qui prennent des initiatives comme ça, là. Allez, installé. Alors, Gege qui demande qu'est-ce que j'ai comme spec sur ma machine manager. Alors, Haribo, pour ce qui est de l'histoire de conso, tu peux regarder dans mes tweets d'aujourd'hui. Mais en fait, la personne n'a pas particulièrement étoffé la chose. Je pense que ça vaudrait le coup de faire des tests nous-mêmes. Ah oui, effectivement. Tu marques un point, l'accessibilité, effectivement. Mais j'avoue que c'était un peu fort. Donc, les specs sur ma machine. Ben, je vais m'y connecter, je vais te montrer ça. Hop, je vais faire un petit NeoFetch. Et donc, on a... Alors, j'ai abaissé la RAM par rapport à la dernière fois. Je suis redescendu à 48Go au lieu de 96. C'est parce que je teste des barrettes de RAM en ce moment. donc, voilà, j'ai enlevé des barrettes de 16 et j'ai mis des barrettes de 8. Mais donc, il y a deux vieux Xeon qui ont une douzaine d'années maintenant sur une carte mère qui a le même âge. Et oui, j'ai laissé traîner une GTX 1070 dedans. Donc, English US, ok. Parti, continuer. Tiens, d'ailleurs, pendant ce temps-là, alors, minimal, voilà, download updates, ouais, allez, soyons fous. Alors, ce que je pense à un Haribo par rapport à l'histoire de la fait que l'Ubuntu consomme peut-être moins en électricité, c'est probablement aussi parce que il y a des softs des firmware non libres qui sont plus efficaces que les firmware libres équivalents. Erasdisk, install Ubuntu. Ouais, ok. Allez,
Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser. Ouais, je vais laisser les trucs par défaut pour aller plus vite. Allez hop. Voili voilou. Et pendant ce temps. Hop, allez, Paris. Ah, il a pas fini. Gna 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 gna. Bon, on va laisser ça comme ça. Bah oui. Oui, c'est un mot de passe faible. Je suis d'accord. Hop. Salut à toi Sébastux, j'espère que t'as passé un bon week-end. Alors à Haribo, je pense que ça peut peut-être valoir les... Ça peut peut-être être... Ça peut se jouer peut-être sur des firmwares, notamment sur... comment dire? Je suspecte que par exemple, il y a des trucs comme les firmwares Linux, les firmwares... comment dire? Les firmwares CPU, notamment pour les Intel et AMD, le microcode, voilà. Tu dois avoir le microcode qui doit jouer, tu dois avoir, parce que le microcode donc est propriétaire, tu dois avoir aussi potentiellement des firmware pour notamment des interfaces réseau ou des contrôleurs disques peut-être. Et le GPU potentiellement, puisque c'est vrai que, alors, mais sur un serveur effectivement ça devrait pas gêner. C'est vrai qu'aujourd'hui typiquement, alors bon moi je comment dire, je m'en cache pas particulièrement aujourd'hui au niveau de mes cartes graphiques. Je suis essentiellement sur du Nvidia. Je n'ai plus une seule Radeon à la maison depuis bien des années. Parce que à l'époque, j'avais vraiment été déçu par la qualité des drivers. Même qu'ils soient proprio ou libre. Ou alors la carte graphique était de toute façon pas ouf à l'époque. Quand j'avais des Radeon. Et du coup bah je suis passé sur du Nvidia et aujourd'hui enfin très clairement je vois la différence encore un peu entre quand j'utilise le pilote libre nouveau qui malgré tout est quand même d'excellente qualité, faut pas se mentir, hein. Il y a, enfin je reconnais l'avancée du pilote libre par rapport à l'ancien pilote qui était fait par Nvidia et mais le pilote proprio reste quand même aujourd'hui un cran au-dessus. Alors salut à toi Bilouret, j'espère que t'as passé un bon week-end et oui effectivement ma call rancune est par là. Pendant ce temps allons jeter un œil sur on revient par là, toi, voilà, sur notre paillot. Alors, query log, on va revenir sur tout. Ubuntu.paiol0.net, c'est celui-ci. Check connectivity check, bon, ok. Alors, par contre, voilà, le connectivity check, le truc, c'est que du coup, on va signaler chez Ubuntu, avec notre propre adresse IP, qu'on est en train d'installer une Ubuntu. Enfin voilà, on signale à Canonical, au fait, y a une Ubuntu en cours d'install. Donc c'est un peu... Alors si je fais client comme ça, qu'est-ce qu'il est allé voir d'autre pour le moment? Des trucs qui n'existent pas. Donc forcément, il s'est mangé un X-Domain. Ça, à mon avis, ça doit vouloir tester justement des peut-être des DNS menteurs ou des trucs comme ça, non? GeoName Lookup. On a ça. GeoIP. Ouais, ok. En gros, il essaie de détecter l'adresse IP publique pour proposer des miroirs les plus proches. Je pense que c'est ça. Hein. Et chez Ubuntu, ils ont mis des noms pour les NTP. Ok. Fedora le faisait aussi, mais ils ont abandonné. Abandonné quoi, Sébastux? Le NTP ou le check de trucs type DNS menteur? Alors, pendant ce temps, il en est où? Hop.
Bon, je vais arrêter. Enfin, le Windows, pour l'instant, je vois pas trop quoi en faire. Ah, le signalement d'installation. Ok. Bah, à la rigueur, je peux comprendre. Enfin, disons que. Alors, le signalement d'installation, je pense pas voir particulièrement ici quelque chose qui dit au fait. Je suis en train de faire une installation, mais très sérieusement, entre les, enfin, selon ce qu'ils contrôlent sur les, sur tous les trucs qu'on voit, ne serait-ce que le GeoIP.ubuntu.com, si c'est sur des serveurs de Canonical, tu sais assez vite, ok, derrière tel IP, il y a une Ubuntu. C'était pour de la surveillance de matos. À la limite, je préfère encore l'approche Debian. C'est assez rare de ma part de dire ça. Où il y a l'outil de Popularity Contest qui permet de dire eh, au fait, est-ce que tu veux nous envoyer ce que tu as installé pour qu'on voit si les choses sont utilisées par les gens. Alors pour le coup, moi je réponds jamais oui. Mais je pense que si je m'installais une Debian en desktop. Probablement qu'une fois de temps en temps, je répondrai oui. Tout à fait, Haribo, l'outil Debian est sur non par défaut. Alors, hop là. Tu peux nous expliquer pourquoi tu réponds jamais oui? Alors, c'est Gizmo. Déjà, salut. Et alors, là aujourd'hui, j'ai le t-shirt avec le mouton. Mais c'est vrai que j'ai un t-shirt des fois où il y a écrit no. Ah, et a priori, Cément veut pas que j'explique. Donc je vais gentiment comment on dit, décliner de répondre à cette question. Alors, ça mouline un peu. Ça mouline un peu, ok. Donc forcément pour l'encentage bloqué, bah query bloqué on n'en a pas. Ah non, on joue pas à ce jeu-là ici Sébastux. Il prend du temps quand même. On remarque que c'est une installation desktop, donc ça prend un petit peu de temps. Ah, pourquoi je réponds jamais oui sur le Popularity Contest? Ah, bah, en fait, c'est que bien souvent, 99 fois sur 100, les Debian que j'installe, j'ai dit que j'installe, hein, à titre perso, généralement, ça va être du test. Ça va être du test, donc j'estime que de toute façon, je vais faire, enfin, je vais pas avoir une. Enfin, ça va pas avoir beaucoup d'impact, enfin ça aura pas beaucoup d'intérêt que je renvoie un oui. Mais à la limite, si j'installais Debian en desktop, en étant ma machine principale de bureau, peut-être que je serais tenté. Parce que je comprends bien qu'il y a un besoin de savoir quels sont les paquets populaires pour concentrer les efforts de maintenance dessus, très clairement. Je comprends le principe, mais quand c'est une VM de test que je vais effacer dans 2 jours, honnêtement, ils vont avoir juste le minimum, quoi. Pas de soucis, Gégé. Sois pas désolé de revenir sur mon infra. Qu'est-ce que c'est comme matériel? Alors. Gizmo, il y a aussi un peu de ça. Il y a aussi un peu de ça. Alors, Guéguet, pas de souci. Alors, pour ce qui est de mon infra du Home Lab. Alors, ce que j'appelle le Home Lab, j'ai peut-être pas forcément la même définition que tout le monde, mais pour moi, ça reste une machine sur laquelle je fais des expérimentations. Et ça reste une seule machine. Après, effectivement, pour les trucs qui vont rester très... comment dire, qui vont rester en production. J'appelle plus ça un home lab, j'appelle vraiment ça mon infra. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit un minimum, comment dire, que ce soit réduit au minimum.
Donc aujourd'hui, en termes d'infra, aujourd'hui, j'ai un nuque qui me sert bah, justement avec un VPN, un reverse proxy, un DNS, deux, trois trucs de monitoring aussi. Et j'ai un NAS. Le NAS, par contre, effectivement, c'est un PC. Alors, c'est un PC. C'est une machine, j'ai envie de dire, plutôt orientée serveur. Parce que, à l'époque, contrairement au NUC que j'ai acheté d'occasion, le NAS, j'avais acheté la plupart des pièces neuves. Donc, j'avais acheté la carte mère, le CPU, la RAM neuf, le boîtier aussi. Et j'avais pris un boîtier serveur rackable. Et ce que j'avais pris aussi, j'avais pris essentiellement du Super Micro et du Xeon en CPU. Mais du Xeon, idéalement, petit, comment dire, du petit Xeon qui consomme pas trop. J'ai fini par rajouter une carte HBA d'occasion, par contre, parce que j'avais un mix de ports Serial Ata 3 et Serial Ata 2. Donc je me suis dit au moins j'achète une carte HBA où tous les ports sont en Serial Ata 3. Et les cartes et les ports Serial Ata 3 de la carte mère, je les ai réservés pour l'OS. Pour ce qui est de mon home lab, par contre, c'est beaucoup de récupération. C'est voilà, c'est essentiellement pas mal de récup. Sauf le boîtier où j'ai pris un boîtier neuf il n'y a pas très longtemps parce que j'avais récupéré des trucs à droite, à gauche et j'arrivais pas à avoir j'arrivais pas à avoir ce qu'il fallait entre la volonté d'avoir un truc qui soit un peu silencieux mais qui soit pas trop problématique en température. Mais j'ai encore quelques petits soucis au niveau de la température sur le home lab actuel. Alors Sébastux, ça dépend aussi de ton nuque. Effectivement, si tu as un nuque assez récent pour du NVMe, le mien, je crois qu'il est encore en mSATA. Parce que j'ai pris un tout petit nuque et j'ai laissé le mSATA de 256 Go dedans. Je l'ai boosté par contre, je lui ai mis 16 Go de RAM. Mais par contre, effectivement, alors je n'ai pas installé Proxmox, je reste fidèle, entre guillemets, à installer une Fedora Server ou une RHEL-like. Et installer KVM et Libvirt tranquillement. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut revoir où en sommes, où est-ce qu'on en est avec. Hop, l'installation est terminée. Et eh ben allons-y. Alors pendant ce temps, est-ce qu'on peut aller revoir dans le query log. Guégué, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Et sinon, n'hésite pas à en poser d'autres. Le Ubuntu, il en est où là? Et pour le moment, la load, elle est pas énorme, donc c'est pas mal. Memory usage 10%. Pop, 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 pop. Est-ce que. Je l'avais mis quoi comme. Est-ce qu'on peut voir dans les settings? Est-ce qu'il y a un truc genre sur les. Non. Dans les tools, peut-être. Pile diagnosis, ça, c'est les. Hop, dans le dashboard, peut-être. Non, ça c'est les queries. Ça c'était quoi? Ah, pop, 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 non. Alors. Pop, 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 où est le. Dans les outils, qu'est-ce qu'on a? Update. Partie network. Il n'y a pas de dashboard qui indique, qui fait un récap du matériel qui est installé en fait. J'ai l'impression. Ça pourrait être une idée d'avoir dans l'interface un truc qui dit au fait. Parce qu'il y a quand même genre, on peut carrément éteindre ou redémarrer, ça c'est cool, redémarrer des trucs. Ah, on pouvait faire un flush logs, d'accord. J'aurais peut-être pu, tiens. Alors, notre Ubuntu, elle est en train de démarrer. Ah, faut enlever le. Ok. Hop.
SATA CD-ROM. Remove. Ah mais non, si je fais un remove, il va me... Hop. Normalement, il est censé me l'enlever tout seul hein, avec Libvirt. Alors Gege, ça dépend vraiment de la gamme de nuque que tu prends. Moi, j'ai pris un petit nuque avec un core i3, je crois. Je vais regarder ça sans forcément vous le montrer. Oui, je suis pas sur la bonne machine. Hop. Et donc j'ai un Core i3 de 5e génération. Et donc il a 2 cœurs, 4 threads. Et par contre, ben, je l'ai acheté d'occasion. Et j'en ai eu pour moins de 100 euros. Avec, je crois, il avait 4 Go de RAM. Et un disque. Et un disque mSATA par contre. Qui fait. Tiens, j'ai pas la taille. Je crois qu'il faisait 256, il ferait que 128 Go. Bah fiche-toi là. Bah mince. Ah bah très clairement, ça, après oui, t'es, de toute façon, à un moment, enfin, il y a ce que tu... Enfin, moi, ce que je veux mettre, entre guillemets, en production, je veux que ça consomme très peu. Après, ce que j'allume une fois de temps en temps, je peux me permettre que ça consomme un peu plus, même si je suis quand même un peu à la consommation. Et puis la taille, ça joue aussi. Alors, ça, on s'en fiche. Help improve. Ah, tiens, je serais curieux. Et si on... Non, on va pas faire yes. Un nuke 8 i5 BH. C'est un très bon nuke, ça. J'espère que t'as pensé à lui... comment dire? À lui faire une... Comment dire? Une petite cure de pâte thermique. Une personne que je connais a, je crois, le même, ou en tout cas un modèle très proche, et on lui a changé sa pâte thermique, ça, il a perdu facile 10 degrés. C'était assez fou. Allez, next. Ah, ça c'est cool, désactivé par défaut, ça j'aime bien. Je peux même te retrouver la vidéo, tiens d'ailleurs, Sébastux. Hop là. Hop. Alors. J'ai loupé un truc. J'ai loupé quoi? Ah oui, j'ai loupé le follow. Merci Oxleyo pour le follow. Merci à toi, c'est très gentil. Hop. Alors. Il est passé où? Alors, ce sont des vidéos de chez Techno Boomer. Ah, quand tu l'as eu, le BIOS était buggé, il faisait tourner le ventilo à fond. Oui, bah, déjà d'une, effectivement, mettre à jour le BIOS. Et ensuite, alors je vais vous copier-coller la première vidéo qu'il a fait. Hop. Et ensuite, la deuxième. Hop, alors je vais faire un petit mute parce que j'ai pas envie. Hop. Et est-ce que c'était...
Ouais, c'est celle-ci. Voilà. Allez, je vous rajoute ça. Et la deuxième. Alors, mon home lab qui consomme un peu plus, est-ce que j'ai mis en place un moyen de le shutdown facilement? Alors oui, tout à fait. Tout à fait, Guégué, puisque en fait, alors pour le coup, c'était un achat d'occasion. J'ai pris une carte mère serveur avec une interface IPMI. Donc je l'allume, je peux l'allumer entre guillemets à distance et l'éteindre à distance avec de l'IPMI. Après, dans l'absolu, il est à portée de main hein, si j'ai besoin de l'éteindre en urgence et que j'ai pas accès à l'IPMI pour une raison ou une autre. Voilà, là, hop, vous voyez, je suis encore à l'écran et je le touche. Où en étais-je, moi? Ready to go. Allez, hop. Et puis, de toute façon, pour le shot à distance, hein, un petit SSH, et puis voilà, il est éteint. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui se passe si je lance un Firefox? Un Firefox tout neuf sur une Ubuntu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va voir des trucs? Query log. Hop, là, Ubuntu. D'accord, donc il va requêter Wikipédia, Facebook, un truc de chez Mozilla, je suppose. Push Services Mozilla. YouTube? Hey! Oh! Salut les gens de chez Chaos! Merci pour le raid, Chaos! Merci beaucoup! Allez, venez tous les 37, hein, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Stoï, pour le follow. Merci à toi. Hop. Alors, Gizmo, quelques mois que tu es sur ce stream. Toujours les 15 mêmes titres de la playlist qui tournent. Ouais, je vais essayer d'en rajouter un peu. Les 15 mêmes. J'en ai combien exactement là-dedans? Oh, il y en a 21. Il y en a 21. Et merci Hypnosis80 pour le follow. Qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Chaos? Racontez-nous. Fr.hotels.com. What? What? Non mais il n'y a pas de souci Gizmo, mais tu marques un point, faudrait que j'aille faire un tour chez YouTube et que je récupère comment dire, des titres en plus. Est-ce que c'est pas les sites les plus visités qui au départ chez Firefox sont Facebook, YouTube? Ah bah on peut peut-être regarder hein. Hop là. Alors Firefox, welcome. Privacy notice. Alors, est-ce que ça serait pas justement des. Peut-être des. Parce que là, si je vais sur le site de Mozilla, est-ce que genre il n'y aurait pas un truc genre Facebook? Si, voilà, il y a des items. Facebook. Si je fais un Amazon. Non, il n'y a rien. Oh, tiens, il y a un petit easter egg dans le code source. C'est une manière comme une autre de recruter, hein. Alors, Boulabytes qui nous dit, ah, par rapport à ce que vous faisiez chez Chaos, du volatility qui ne fonctionnait pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que ce sont les marque-pages sponsor? Peut-être, Gizmo. Enfin, des wallets quand tu ouvres un nouvel onglet. Ah, peut-être. Peut-être. Je craignais que ce soit des trucs du genre des icônes qui sont hébergées directement chez les fournisseurs en question. Donc ça, on s'en fiche en fait. Voilà. YouTube et Facebook, tu penses plutôt à une version spéciale Ubuntu. Je suis pas sûr de comprendre. Ah, remarque peut-être que c'est quand j'ai fait quand j'ai fait le premier le setup là, quand j'ai fait le setup,
Il était en mode, voilà, online account. Et là, on a Google, Nextcloud, Microsoft. Remarque, je veux pas d'Amazon. Attends, il y avait quoi dans les trucs? Si, Amazon, frhotels.com, Wikipédia. Ouais, non, c'est étonnant. Hop là. Salut à toi, Hadès. Bah écoute, ça va très bien, et toi? J'espère que t'as passé un bon week-end. Sébastux modifié et repackagé par Ubuntu. Ah, peut-être. Ça, du coup, je peux couper. Hop. Bon. Eh ben, on va commencer à bloquer, hein. On va commencer à bloquer. Enable blocking. Hop, voilà. Si je ne mets aucune URL dans la... Ah oui, bonne question. Hop. Alors, on va revenir ici. On va quitter le Firefox. Non, pas Firefox, toujours. Allez, hop. Quitter. Merci beaucoup, Elrond, pour le follow. Merci à toi. Alors, Hadès, pour l'instant, je teste. Je m'amuse. Je n'ai pas encore essayé AdGuard. Peut-être que je l'essaierai, effectivement, puisque je crois que tu es le deuxième à m'en parler. Ou alors, tu m'en parles deux fois. Donc on verra, on testera. Merci Yatoub pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Open Previews tab. Voilà. Et oui, effectivement, par défaut, on a Amazon. Ah bah oui, effectivement. Ok. Donc c'est la page d'accueil. On aurait même le bon coin, a priori. Alors si je reviens sur mon query log. Hop. Et ouais, le bon coin. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, ça fait des requêtes. Donc bien joué McCall, c'est effectivement la home page qui vient faire des hits pour rien en fait. Effectivement, twitter.com, le bon coin Facebook, ouais bon d'accord, ok, ça va, on a compris. Ah, et du coup voilà, ça y est. Maintenant, on commence à avoir des blocages. On a la télémétrie de Mozilla qui est bloquée. C'est pour mettre à jour les icônes au cas où. Alors, Gizmo, le pire, c'est que t'as une IA Shield qui est éteinte, envahit et requête des trucs. Ouais, donc elle est pas vraiment éteinte, elle est envahie, voilà. Alors, Sébastux, on doit pouvoir mettre un Wireshark ou un TCP dump. Oui, carrément. Mais là, du coup, rien qu'avec le DNS, on voit quand même passer pas mal de choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va. Je vais allumer. Enfin, pas allumer, mais je vais accéder au deuxième client. Hop là. Qui est là. S'il veut bien se montrer. Hop, voilà. On va le remettre en hop, scale display. Allez, affiche-toi. Voilà. Tiens, on va changer le wallpaper, histoire qu'on sache que c'est pas le même. Boulabytes, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Ben, merci, je te souhaite une bonne soirée à toi aussi. Et puis n'hésite pas, si jamais tu as envie de voir la fin, il y aura un replay. Et puis sinon, il y aura les autres streams. Alors, background, tiens, on va le mettre comme ça. Voilà. Voilà, comme ça au moins on sait que c'est pas le même client. Et ce que je veux vous montrer, c'est que effectivement, comme c'est pas le même client, voilà, on n'est pas dans le même réseau. Donc petit rappel, si je remets la main sur mon schéma, voilà. Salut à toi Yatoub. Tu me découvres grâce à Chaos. Ok, tu sais rien de ce que je fais. Quand tu vois du payol. Oui, alors je suis pas un habitué d'Ubuntu. Là, je tourne sous Fedora. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si t'es content, ça me fait plaisir. Et merci de ton message. Donc, voilà, c'est lui, client 1. Hop. C'est peut-être un peu petit. On va zoomer un petit peu. Oups, pas tant que ça non plus. Voilà. Alors, en gros, j'ai mis en place deux réseaux avec ici un routeur.
L'idée, c'est que le client A, quand il va vouloir sortir sur Internet, il va passer par le routeur et puis ensuite, il va aller à nouveau sur Internet. Donc, il n'est pas sur le même réseau que le reste du réseau là sur lequel on a fait joujou avec Payall, parce que ce que je veux faire, c'est mettre en place un PyVPN et ensuite connecter client 1 au PyVPN et ensuite montrer que bah, il sort et que son DNS c'est le Payall. Voilà. Alors, on va voir si on a le temps de faire ça. Donc pour l'instant, on voit qu'il est dans le réseau 192.168.1 qui est là. Et là, on est dans le 0 ou dans le 100? J'avais fait 0 ou 100? J'ai laissé les 0, hein. Ouais, j'ai laissé 0. Ok. Donc. Et ben, on va allumer. On va se remettre sur le client de base, là, lui. Hop. Et on a normalement. Hop, un SSH. Vous remarquez, il n'y a pas besoin de mettre ça. Je voulais. J'avais dit quoi? 0,52 hein, sur le. Hop, voilà, donc on est sur PyVPN. D'ailleurs, ce qu'on peut même faire. Alors désolé, je switch un peu sur les trucs. Ce qu'on peut même faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas carrément. Alors ça, c'est la liste des clients. Hop, donc on a le 52 qui est quelque part ici. Et lui, c'est PyVPN. Hop. Et local DNS. Voilà, DNS record. Donc on va faire pyvpn.payall. Payall. Je dis payall. 0.net. Et 192.168.0.52. Hop. Donc normalement, si je reviens ici et que je fais py. Attention, t'as mis IPVPN. Ah, bah mince alors. Ah oui, effectivement. Allez, on le trash et on recommence. Voilà. Voilà, ça devrait être mieux. Et a priori, il n'y a pas besoin de recharger quoi que ce soit. Donc, j'ai dit pyvpn.pyall0.net. Ok, nickel. Et alors, est-ce qu'il fait la. Parfait, je suis sur la même machine. Nickel. Donc, j'avais oublié d'installer sudo. Hop, par précaution. Ok, je suis pas dans le sudoers. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors je sais, je le fais encore de façon très 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 moche. Sudo. Moins Y upgrade. Voilà. Parfait, pas de mise à jour à faire. Nickel. Est-ce qu'au moins il sort sur Internet? Il sort sur Internet. Hop. Donc, PyVPN, VPN.io. Alors, curl, nanana, PyBash. Est-ce qu'il y a moyen de regarder ce que ça fait ça? Avant d'aller bêtement. Donc on a un script qui cherche bash, ok.
Trivial OpenVPN en WireGuard setup. Ouais, ok. Alors, PKG Manager. Ok, donc il y a tout un tas de variables. Puisque effectivement, on peut l'installer sur Alpine. On a quoi d'ailleurs dans les... dans les trucs compatibles, donc on a les features, runs with Pyhole, bah ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Et il y a le code sur GitHub. Hop. Et le code sur GitHub qui nous dit feedback, bug report. Hop. Il n'y avait pas un truc documentation quelque part? Ah bah oui, ici. Ça c'est un peu dommage à la limite. Ah oui, non, documentation, il est là. Ok, donc je ne sais pas lire. Je ne sais pas regarder. Et ce que je voulais voir, c'était justement installation. Ok. Voilà, Alpine. C'est quoi le but en fait? Oui, tout à fait, Guégué. C'est de combiner les deux. Docker, ok. Donc a priori, c'est soit on utilise de la Debian, soit de l'Alpine. Ok. Ah bah tiens. Donc ça marche. Ok. Stretch Buster Bullseye. Ok. Très bien. Et bah allez, c'est parti. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, on va le faire avec leur voilà, leur truc. J'aime pas trop faire ça quand même de façon générale, mais bon, a priori. Faudrait idéalement, moi je regarde si ça efface pas des conneries. Mais bon. Faudrait idéalement curl comment Oui, j'ai vraiment installé une Debian de base. Hein. Merci pour le follow, Fantôme. Merci à toi. L'occasion de vous rappeler que si jamais vous voulez rejoindre la communauté, donc je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux, bah, typiquement Twitter, Mastodon, ce genre de choses-là. Et il y a aussi le serveur Discord de la chaîne qui est par là. Alors, Yatoub, tu as l'impression que WireGuard a un peu tué PyVPN récemment niveau perf. Par contre, plus complexe à intégrer à un Pyhole. Bah, a priori, PyVPN te propose de mettre du WireGuard si tu veux. Hein. Alors, moi, je serais curieux de voir s'il y a moyen de mettre les deux, mais on va voir. Ah, un OpenVPN hors WireGuard. Ah, donc a priori, ce sera l'un ou l'autre. Donc, on a déjà une adresse IP statique, ok. Est-ce qu'on force... Oui. Ok. Ah d'accord, donc il prend un utilisateur existant, il en crée pas un autre. Ok. Alors, WireGuard, new kind of VPN that provides near inst. Ah bah tiens, on va faire un petit. Allez, on va faire un petit sondage vite fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Allez. Quel VPN pour PyVPN? WireGuard ou OpenVPN? Allez, deux petites minutes. Allons-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour le follow, Futureland. Tu comprends rien, mais tu follow. Alors déjà, c'est très gentil. Et si jamais il y a des trucs que tu veux comprendre et que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander. Je suis là pour ça. Alors... Fips01 qui utilise OpenVPN et donc il choisit WireGuard.
Alors. Tic-tac, tic-tac. Alors pendant ce temps, on va peut-être jeter un œil à notre paywall, voir un peu si ça bloque encore des trucs. Dashboard. Bon, il y a déjà bloqué 22. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il a bloqué. Alors on a toute la partie télémétrie a priori. Toute la télémétrie de Mozilla, elle saute. Elodie Léo, j'espère que tu as voté du coup, si jamais tu veux du WireGuard. A priori, Mungbo aussi est fan de WireGuard, donc bah, n'hésitez pas à voter pour. Hein. Salut à toi, sac à poil, j'espère que tu as passé un bon week-end. Ouais, toute la télémétrie Mozilla, déjà, premier truc qui dégage. A priori, c'est. Ah si, Google Tag Manager. Et si jamais je vais sur YouTube, tiens, il bloque des trucs. Je vais tenter ça. Hop. Là, je vais juste sur la page d'accueil de YouTube. Je vais revenir sur mon paywall. Oula. Eh, ça a mis un petit moment à se charger, hein. Je sais pas si c'est. Alors. Salut à toi, Edisoft. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Et Yatoub. Qui aussi partant pour WireGuard. Alors, le sondage a terminé. Et donc, c'est WireGuard qui l'emporte avec 63% des votes sur OpenVPN avec 37%. Vous étiez 12 à voter pour WireGuard et 7 à voter pour OpenVPN. Alors, avant de se lancer là-dedans, est-ce que. Hop. Non, je voulais juste les bloquer. En dashboard. Queries. Et effectivement, alors on a toujours la télémétrie. Attends, j'avais cru voir des trucs bloqués, genre du. Non. Ouais, non, il a rebloqué, c'est les mêmes. Ok. Alors, allons-y. Et bah, c'est parti, hein, on va repasser ici. Et donc, WireGuard, qui en plus, le truc sélectionné par défaut. Alors, on peut modifier. Bon, on va laisser le port par défaut. Le 51 820. Ok. Ok. Et ensuite, et ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser PyVPN is local DNS. Voilà. Alors. Ça bloque pas les pubs YouTube, Payol. Je n'en ai pas la moindre idée. J'essaierai, je pense, de mon côté. Alors. Ah oui, mais non, du coup, faut pas que j'utilise le local resolver. Faut que je fasse custom, en fait. Je pense qu'en fait, il faut que je fasse custom pour le dire bah, quel IP il veut. Donc, ok. Et là, je mets du coup 192.168. J'ai dit 168. 0.53. Hop. Will clients use a public IP en DNS name? Oh là là, oh là là, oh là là. Hop, on n'a rien vu. Alors ça, ce genre d'outil, ça me gave. Ça me gave. Alors, on va passer au truc suivant. Hop. Voilà. Donc, en gros, le truc affiche comme ça l'adresse IP publique. Merci, merci PyVPN. Alors, Yetoub, est-ce que je fonctionne avec une VM par client de mon LAN dans un subnet dédié? Pas sûr d'avoir compris ta question. Gizmo, effectivement, ouais, c'est un custom que je voulais. Pop, 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 pom. Unattended upgrades, oui, bon, bah, normal. Hop là. Non. Et PyVPN add pour ajouter des clients. Ok. PyVPN help. Ok.
Bon, bah, écoute, on va rebooter, ouais. Hop, allons-y. Non, pas ping avec un H. Hop. Ah, ça y est, il a rebooté. Alors, voyons voir ça. Add, client, debug, list, QR code, remove. Alors, du coup, je suis en train de me demander. Disable, enable. Ah non, c'est classe. C'est classe. Alors. Donc, bah, PyVPN add. Name, bon, on va mettre client 1. Donc, il a tout récupéré. Ok, ça a été copié dans Omnils config. Ok. Alors, ta question portée sur le setup par Carfirm, les manip réseau en live, ça te semble ardu? Alors, en fait, hop, j'ai montré ce schéma-là. Donc, en fait, ici. Ça, c'est des sous-réseaux virtuels. Et là, le routeur qui est présent ici, ici, ça, c'est l'hyperviseur. C'est le HomeLab. Enfin, non, non, c'est pas celui-là, pardon. C'est celui qui est au-dessus. Donc ça, c'est un routeur qui est virtuel, qui est dans mon lab. Et il est branché au subnet classique par défaut de libvirt. Et là, par contre, on a l'hyperviseur qui, lui, ensuite, est connecté à Internet. Après, mon but n'est pas que une machine d'internet vienne se connecter au PyVPN. C'est pour ça que j'ai mis un client ici sur un autre subnet. Donc c'est lui, c'est ce client en bas à gauche qui va venir se connecter sur le PyVPN. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair comme ça, Yatoub. Alors la question que je me pose, parce que j'ai jamais fait de WireGuard de ma vie. C'est comment est-ce que je vais. Alors, répertoire configs. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on n'a pas le droit. Ça appartient à route. Ok. Alors, comme de toute façon, c'est du lab, c'est du test, c'est absolument pas de la prod. On va pas s'embêter la vie. Hein, allez hop. Home. Nils. On va aller dans configs. Et on va carrément afficher le client. Donc, on a la. Private key, ok, l'adresse. Oh punaise. Ok. Le truc affiche directement l'adresse IP publique dans la conf comme ça. Ok. C'est la deuxième fois que je me fais avoir, et c'est la deuxième fois que je me fais avoir avec un outil de VPN qui m'affiche l'IP public en live. Et ça me. Ça m'embête un peu. Je vais finir par devoir préparer à l'avance tout ce qui est stream sur des VPN, sur des outils comme ça. La fois où j'avais eu un souci comme ça, ça avait été avec un autre outil qui s'appelle Pritunnel. Alors, je vais. Ouais, c'est un peu embêtant de faire leaker l'adresse IP publique. Hop là. Alors. Mais surtout qu'en plus, le truc dit juste. Ah, c'est soit on met un nom, soit on met un. Soit on laisse l'IP. Oui, ah oui, rancune. T'inquiète, je vais la flouter la version YouTube. Je vais la flouter. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais faire un VI sur le fichier de conf. Et on va aller changer tout de suite l'adresse IP de l'endpoint. Comme ça, on pourra avancer sur ce sujet.
192, 168, 0, 52. Voilà. Voilà, on n'a rien vu. Alors, la question c'est, est-ce que par hasard sur le... Ça c'est le client 1. Est-ce que par hasard, là-dessus, en graphique, il y aurait de quoi... Il y aurait de quoi... faire du tunnel WireGuard. VPN. Import from file. Tiens, on va aller regarder ça, tiens. Hop. On va aller regarder ça. Non, pas ici. Ici. Alors, WireGuard. Gnome. Je peux importer directement dans Network Manager. WireGuard VPN plugin. WireGuard in Network Manager. Donc a priori, je peux prendre le fichier de conf ici et faire copier-coller en fait. J'ai un SSH là-dessus. Ouais, j'ai un SSH. Allez. Alors en théorie, ça devrait pas être possible. Enfin. Mais là, je suis sur un lab où on s'en fiche un peu. Si je fais un SSH 192 168.0.52, hop, ça passe. Je peux faire un rsync, hop, moins av p, moins moins, alors rsync, je vais grossir un peu le truc, tiret, tiret, pass, égal, on va faire sudo rsync, je vais répondre à vos messages après, hein. Hop, à 192, 168.0.52, 2 points. Slash home nils configs. Alors, on va faire étoile.txt. De toute façon, il n'y a rien pour le moment. Hop. Hop. Comment ça? Ah, d'accord. Allez. Moins s. Non, c'est bizarre ça. Ah. Ah non, toujours pas. Ah c'est... ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, on va chmod le fichier. Hein. Hop. Ça, c'est juste pour le récupérer. Hein. Je me... Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs? Ah bah oui, je... Non, attends, je suis sur laquelle là? Payol client, voilà, payol client 1. Ah mais j'étais pas sur la bonne machine alors. Si, voilà. Et j'ai pas besoin de mettre ça. Rsync qui commande notre farm. Oh, bah on va faire un SCP alors. Voir. Comment ça, étoile.txt, no such file en directory? C'est quoi? C'est un point CFG? Et décidément, je. Ah, c'est point conf. Ok. Hop, point conf. Hop là. Effectivement, c'est point conf. Salut à toi, pacificatrice, bienvenue. J'espère que t'as passé un bon week-end. Alors, Elodie Léo, comment tu fais avec Pritunnel pour faire sans IP public? Tu avais préparé une fausse IP publique qui était le local. Alors non, Elodie Léo, quand je faisais référence à Pritunnel, c'est qu'en fait, il y a... Je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait un stream sur Pritunnel. Et pareil, Pritunnel dans l'interface me balance mon IP public à moi. Donc j'ai dû flouter la chose et je crois même qu'à l'époque j'avais vraiment flippé et j'avais pas mis la vidéo en replay. Donc attendez-vous à ce que cette vidéo-là ne soit pas disponible en replay sur Twitch.
Haribo, bon, ouais, je vais sortir la clé USB, ouais, c'est un peu ça. Question, ce VPN est compatible avec Fortinet? Je ne sais pas du tout, El Longo de la Vegas. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de Fortinet, mais à l'époque où j'en avais fait, le Fortinet faisait soit du IPsec, soit du VPN SSL qui était un truc custom à eux. Donc WireGuard ne devrait pas fonctionner. Ah, a priori, Mungbo, tu fais du Fortinet en ce moment? Donc tu es un peu plus à même de répondre. VPN SSL, donc non. Ah non, non, non. Tu as un truc. Alors je sais pas si c'est vraiment compatible. Mais j'ai cru voir passer un truc qui s'appelle Open Connect. Hop là. Open Connect VPN client. Voilà. Alors. A priori, c'est plutôt ça qu'il te faudrait. Ça marche avec Cisco AnyConnect, ça marche avec Array Network, Juniper, Pulse Connect, Palo Alto, F5 et Fortinet. Voilà. Je vais même le mettre dans le chat pour que vous puissiez en profiter. Alors personnellement, je l'ai jamais utilisé. J'ai jamais eu le problème. Enfin le problème, en tout cas, j'ai jamais eu à le faire. À l'utiliser, donc a priori, bon, c'est cross-platform. License, tiens, on va quand même vérifier ça. LGPL, bon, ça va. Et du coup, on doit avoir quelque part download avec le code source. Voili-voilou. Alors, donc j'ai récupéré ma conf, elle est là, et on s'était dit qu'on allait l'importer. Donc, import from file. Est-ce qu'il va détecter que c'est un... Ah d'accord, ok. Donc il faut que j'installe peut-être un package, effectivement. Alors, d'accord. Network Manager. On va aller chercher dans les packages. Hein. The WireGuard Project provides the WG Quick. Ouais. Ouais, on va regarder s'il n'y a pas un truc. Force code. Allez. Network-manager. Non, c'est tout en temps. Alors, El Longo de la Vegas, ce que tu voulais tester, c'est un téléphone SIP à la maison connecté en VPN au travers d'un PI, mais le point de connexion est sous Fortinet. Ah! Donc, il y aurait Network Manager Plugin for StrongSwan. Network Manager, StrongSwan, LibreSwan, FortiSSL VPN. Bon, on va faire pipe grep WireGuard. Hein. Ok. Alors le client, je crois que c'est WG Quick. WG Quick. What provides étoile slash WG Quick. Ça doit être WireGuard Tools, effectivement, mais juste par précaution. Ah oui d'ailleurs, ouais, effectivement le truc est un peu bas. Hop là.
Bon, allez, hop. On va installer WireGuard Tools et puis on va voir ce que ça donne. Ah, avec un tiret? Bah écoute, on va vite voir, hein. On va vite voir. Alors déjà, il y a la page de manuel, c'est plutôt bon signe. Ok, il est installé là. Donc ensuite, comment il fait Est-ce qu'il faudrait pas que je le... Oh punaise, il fait pas mal de choses, je trouve, hein. Ah, et il faudra dire pour router tout le trafic. C'était quoi, c'était le bloc de GNOME? Ok. 2019. WireGuard VPN plugins for Network Manager in GNOME. Ah, donc a priori, il en existe un. Il en existe un. Mais il faut l'installer. Ok. D'accord, donc ça va se faire sans le plugin, ça se fait pas en full graphique. Ok. C'était lequel? C'était ici. Ouais, c'est ça, et c'est ce qu'il dit, Network Manager. Donc il faut quand même installer le truc pour. Donc ok, donc en fait on va passer directement en mode. On va passer directement en mode. Comment dire, en mode WireGuard en fait. Donc je fais un WG Quick Up du fichier de conf en fait. Ouais. Ok, donc j'ai une interface qui s'appelle client 1. Et si maintenant je ping 192.168.0. .53. Ok. Et que je vais. Sur l'autre là. Je suis sur le PyVPN qui a bien l'IP en 50. Ah non, ça c'est le PyAll. Ça c'est le PyVPN, pardon. Donc 192.168.0.53. Hop. Ah, est-ce que j'ai TCP dump? Non.
HTTP dump moins n moins i. Hop, ENP1 S0. Et on va faire ICMP. Et on voit que c'est la 0.52 qui fait le ping. Donc on est bien passé dans le trafic. Dans, on a bien passé tout le trafic dedans. A priori, on est passé en 0.53. Donc si maintenant je tente d'aller sur un truc avec des blocages, on devrait voir arriver à ce niveau-là ici. Dans le query log, on va voir passer des trucs de PyVPN. Voilà. Pop, pop, 19h38. Ouais, 19h38. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Simple et efficace. Alors, simple et efficace, oui. Alors, oui, efficace, oui. Le PyAll, simple, oui. Le PyVPN, dans l'absolu, simple, oui. Mais c'est dommage que qu'il n'y ait pas encore l'intégration directement dans le bureau. Mais effectivement, c'est juste une commande à lancer pour que le VPN soit fonctionnel. Hop. Est-ce qu'on peut essayer un truc où vraiment c'est bloqué? Je sais pas comment je peux regarder la liste des blocages. Ou alors je bloque moi-même un truc. Je vais rajouter un blocage moi-même. Je rajoute un blocage moi-même, à la limite. Ça, on peut ajouter une nouvelle liste, mais est-ce qu'on peut rajouter un truc soi-même? Parce que ça, c'est l'update Gravity. Ok. Search add list. Ah. Je sais pas moi si je fais un Google. Hop. Google. Il y a quoi dans les Google? Rien. Ah, plus de 100. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on pourrait tenter? On peut blacklist depuis la liste des trafics qui passe normalement. Ah oui, mais c'est depuis la liste des trafics, d'accord. Donc il faut d'abord que je lance un truc. Là je suis sur le client. Hop, client 1. Oh, allez, juste pour la blague. Hein, juste pour la blague. On va aller sur linuxaffaires.org. Hop. Excellent site d'ailleurs que je vous recommande. Donc là, je suis sur linuxaffaires.org. Ensuite, si je retourne dans mon autre truc ici, dashboard. Hey, query bloqué, ça augmente. Hein. Query log. Voilà, donc je dois avoir... Voilà, j'ai mon... Il est où le linuxaffaires? Il est où le linuxaffaires? Il est là. Donc, on va faire blacklist maintenant. Voilà. Et donc, ah mais là du coup c'est dans le cache, il va falloir que j'aille, non c'est pas print que je veux, hop, non toujours pas, voilà, tools, alors, edit, settings, cache, clear data, voilà, on veut tout effacer, clear now, donc ok, ça tout est effacé, ok, hop, allez, on quitte, et on va relancer Firefox. Pendant ce temps, alors, Giget, il y a un autre endroit où je peux setup des domaines à blacklist avec du regex si je veux, tu te souviens plus exactement où, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais dans l'immédiat, on va voir ce que ça donne si je fais linuxfr.org. Non, ça marche toujours.
Ah, mais attends. Ça marche encore parce qu'il doit utiliser le link. Le link du. Bah non. On a bien vu la requête. Il utiliserait les deux? Ah zut, il va falloir que je le mette en... Hop. Et on l'a appelé comment ce routeur déjà? Hop là. C'était payol-router. Hop. Non, pas le Windows. Alors, payol-router. Donc là, je me mets en console locale sur le routeur. Mais j'ai bien fait d'installer un VaiOS. Moins N, moins I, ETH1, cache DNS ou sinon navigation privée. Alors déjà, je voudrais vérifier qu'il ne va pas demander au deuxième, comment dire, il ne va pas demander au VaiOS. Donc là, on a ça. On va faire host 192.168.1. 9 and DNS port 53 et ensuite on va retourner ici mais sinon ouais effectivement il faudra vider le cache DNS alors déjà déjà, il fait des choses là. Alors, est-ce que j'aurais pas perdu le VPN par hasard? A priori, il est toujours up. Ah, no state unknown. Alors, up, down, save, strip. Post up, pre down. Vérifier l'état du VPN avec le nom WG. Alors, WG. A priori, on est bon, si je comprends bien. Alors, Yatoub, VaiOS, par rapport à PFSense, c'est pour moi pas le même usage. Pour moi, VaiOS, c'est plus pour faire du routeur, même s'il a des très bonnes capacités de firewall et de VPN. Et ça dépend dans quel esprit tu es. Si tu recherches une interface web dans laquelle tu peux te balader, PFSense ou PNSense sont très bien. VaiOS est intéressant quand tu recherches une CLI puissante et inspirée des routeurs Juniper. Et aussi quand tu veux faire un peu d'automatisation, puisque VaiOS te permet notamment des choses comme de l'Ansible ou autre. Donc a priori on est toujours connecté hein, si je comprends bien. La question que je me pose c'est comment m'assurer au niveau de WireGuard qu'on route bien tout le trafic en fait. Route
route ou le trafic, trouver un garden interface. Même avec VG Quick, hein, WG Quick. Un hyperroute. Ouais, tiens, que donne un hyperroute? Hop là. Il me dit que la default est... Ouais, voilà, c'est ça. La route par défaut n'a pas été changée. Alors, si je regarde le client 1.conf, il dit bien que c'est le 0.53 à utiliser. Remarque, c'est un peu ballot parce que là, pour l'instant, j'ai pas de règle qui me... Mais oui, la route par défaut est faite via celle-ci. Donc la route par défaut n'étant pas modifiée, pour l'instant, on passe pas dans le VPN. Allowed IPs 01 dans le client. Mais c'est ce qu'on a fait, non? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce truc-là? Il nous dit que... Ah, attends, entre S et P, il a quoi? Il a un... Donc S qui est là. Dans la config du endpoint, tu as la table de routage utilisée. Je suis pas sûr de comprendre. Parce que là, ma table de routage, de toute façon, elle me dit bien que la route par défaut, c'est celle-ci. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, dans le la doc ici, il dit bien, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Ok. Ok. Alors, hop là. Route. Alors, hyperroute, poum, chaud. Hyperroute show, tout, selector, toss, table, table ID. Ok. Et je peux faire table all. Voilà. Hyperroute show, table all. Ok. Default dev client 1, scope link.
Et si je fais un Trascout. Tiens, DNF. Moins Y, install, on va dire MTR. MTR déjà installé. Ok, MTR. Alors, moins N, 192.168.122.1. Hop. Ok. Et si je fais un. C'est du coup. Le DNS, c'est 0.53. Ok. Et là, 1.1. Forcément, il est connecté directement. Si je veux vider le cache DNS. Si je veux vider le cache DNS, j'ai un trou de mémoire. Clear DNS cache. Flush DNS cache, ouais. Touk, touk, touk. Oui, c'est resolved, effectivement. Ok. Moins moins flush cache. Ok. Alors, quitter le Firefox. On fait ça. On va. À la limite même, on peut faire un petit dig hein, directement. Hein. Dig at 192.168.0.53 et on dit linuxfr.org hein. On va vérifier ça. Je vais vérifier. De toute façon, les IP de linuxfr sont connus public. Donc, si je fais ici un dig at 1.1 linuxfr.org, on est en 213.36 quelque chose. Non, ça c'est le client. Hop, client 1. Non, pas le Windows. Alors, le Windows, hop, on va fermer la fenêtre. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et il fera plus chaud. Ça c'est l'Ubuntu. L'Ubuntu, pour le moment, on s'en moque. Et on est ici. Ok. Alors, pourquoi il nous donne un 188-114 ? On peut pas le joindre, ce truc-là. Ou alors, il y a un truc qui me ment. Ah, bah voilà! Voilà, linuxfr.org. Salut Alain B. J'ai linux.org. Oui, j'ai aussi linux.org. Enfin, je me serais trompé dans les... Ah bah oui, je me suis trompé. Hop. Voilà, là j'ai un quadruple 0. Ok. Ok. Mais là, voilà. Donc effectivement, le cache n'était pas vidé. Donc, je crois que c'est Yatoub qui disait, ou Mungo qui disait de flusher le cache. Donc, bien vu, les gars. Tiens, je suis curieux par contre, j'ai pas fait le cat de Haribo. ETC hyperroute 2 RT table. Hop là. Donc, effectivement, on a local main default. Mais pour le coup, le fait de voir toutes les tables de routage avec. Avec un hyperroute show table all. Bah en fait le truc c'est que du coup j'aurais pas vu la table gérée par WireGuard pour client 1 en fait. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai appris hyperroute show table all. Et en plus j'ai découvert un peu WireGuard. Et si je rajoute toi aussi. Bon bah content que ça ait pu servir à au moins une autre personne que moi.
Bon, bah voilà, ça fonctionne. Et normalement, on a dû avoir dans les. Hop, si on revient ici. Si on revient ici et qu'on se fait un petit. Pop show all. Alors, si je reviens dans le query log ici. Voilà. Et que je fais all entries. Voilà, linuxfr.org, 19h56. Donc, c'était ça, il y a 2 minutes. Voilà, bloqué. Exact blacklist. Ok. Et les autres trucs, il doit indiquer voilà, Gravity, parce que Gravity, c'est le nom de la liste fournie par défaut. Ok. Ok. Et bah, c'est cool tout ça, dites donc. C'est plutôt pas mal tout ça. La question que je me posais ensuite. Oui, toujours embêtant ces caches DNS, tout à fait. Tout à fait. Après, ils sont là pour une raison aussi. Ça évite de faire trop de requêtes DNS. C'était quoi l'autre soft qui m'avait été recommandé? C'était quoi? AdGuard, c'est ça? Non? Je suis en train de remonter dans les. Dans les messages. Parce qu'a priori, il y a des gens qui ont un concurrent à Payol, c'est ça? AdGuard-home. Ah, AdGuard-home. Hop là. Ad-guard-home. Alors, voyons voir ce que c'est. AdGuard.com. Logiciel anti-pub et anti-traçage qui fonctionne au niveau du système. Une fois installé, il fonctionnera sur tous vos appareils. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà vu, déjà rien que voir là, le truc est acheté. Ok. Alors déjà, c'est une entreprise. Pas sûr que ce soit le bon lien. Ouais, ça a l'air un peu. Bah, remarque, bloqueur de publicité. AdGuard DNS. Je sais pas, vous me dites. Yatoub, c'est sur ce site? A priori, Yatoub et Mumbo qui recommandent ça. Salut à toi, la Toonsac. Hop là. Merci pour le lien, Gélandur. Hop, on va aller regarder ça tout de suite. Ouais, effectivement. Donc à mon avis, ça sent le squat de site, hein. Ou alors ils ont une version communautaire. Ok. Ah, adguard.com. Si, si, c'est bien eux. Ah non, c'est que je me suis. Ouais, c'est ça, adguard.com. Ouais, c'est bien le bon site. Ok. Ok. C'est basé sur un logiciel qu'ils utilisent pour les. Ah d'accord, ils ont leur DNS public. Ok. Ah bah comment ça se compare à Payol? Windows, Mac, Android, iOS, mais pas Linux. Alors attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, Network, White Software. Getting started. Donc effectivement, ça, on va installer un truc. Ah, et puis ils ont un petit comparatif. AdGuard installation script. Ouais, bon, leur script a priori fait pas de. Ok. Ah si, du Linux Unix dans la doc, mais pas sur la page d'accueil. Bah oui, tu comprends, Haribo, la page d'accueil,
C'est fait pour les gens qui sont comment dire? C'est pas fait pour les geeks comme nous. Running without root privileges. Ok. Alors là, là, je suis curieux parce que tourner sans les privilèges root, si tu veux écouter sur le port 53, c'est quand même peut-être un peu. Alors, quelques exemples de ce qui peut pas être bloqué par un. Ah, mais d'accord, c'est carrément. Mais du coup, en fait, faut installer quoi? Enfin, parce que là, le truc, il dit. Il fait que du. Il fait. Oui, tout à fait, sac à poil. C'est une page d'accueil casual corporate. Network wide software for blocking ads and tracking. Oui, ça opère en tant que DNS serveur qui reroute. Ok. Mais en gros. Ce qu'ils disent dans leur. Alors. C'est pas le building qui m'intéresse. Ah, mais ok. Donc en fait, le principe, c'est qu'ils proposent une application supplémentaire qui s'appelle AdGuard aussi, en standalone. Et c'est cette application qui est un proxy et qui va en fait regarder carrément toutes les requêtes. Et c'est là qu'ils peuvent détecter les trucs de type pub YouTube et Twitch, où les posts sont sponsorisés Facebook et Instagram. Ouais. Ça devient. Ok, je comprends un peu mieux. En fait, l'idée, c'est qu'ils font installer carrément une application. Donc, c'est pour ça, quand ils disent un logiciel anti-pub et anti-traçage au niveau du système, tu dois installer Linux sur ton Raspberry Pi et après configurer le GitHub. Pourquoi LOL Hades? Ah bah, de toute façon, c'est celui-là. Ah, pour le fun, ok. Alors. Donc là, ils expliquent ouais, pourquoi ça bloque pas, où est-ce qu'on peut voir les logs. Ok, on pourra jeter un œil. On pourra jeter un œil la prochaine fois. On pourra essayer ça sur, sur le même lab. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Ok, bon, en tout cas, github.com qui est. Ça a l'air amusant, ça, par contre. Hop. Bloquer la télémétrie Windows. Ah! Ah, tiens, je vais le rajouter pour le fun. Ah, merci, merci Sébastux. Allez, on va l'ajouter, comme ça, ce sera intéressant. Ce sera amusant de voir comment on ajoute les. Alors, tools. Non, c'est pas dans ça, c'est dans les addlist. Voilà. Donc, on rajoute ça. Et. C'était quoi le nom? Ah, tiens, ça on peut couper le TCP dump. Hop, Windows Telemetry Blocklist. Allez, on va mettre le nom du gars, Kevin Lothirien. Hop là. Voilà, add. Et copier le lien. Et c'était quoi la petite. Ça a l'air d'être Reddit.
Ah d'accord, il y a même un subreddit pour Payo là. D'accord, et quelqu'un a... Alors. Ah oui, d'accord, Microsoft a donné la liste de ce qui fait quoi et tu bloques ce que tu veux. D'accord. Et là, il y a quelqu'un qui a balancé plein de... Ok. Plein de trucs. Je vois, je vois, je vois. Donc maintenant que j'ai ajouté la liste, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas encore... Ah non, cliquez pour les détails. Et il y a juste... Qu'est-ce qui... Number of domains. Ok, et là j'ai pas encore le truc. Donc il faut que je le télécharge peut-être. Non, ou alors faut peut-être que je... Ah, je le coche comme ça. Et... Ah non, ça c'est pour les supprimer. Et je veux pas les supprimer. Et je peux... Il y avait un truc de type tools. Update Gravity. D'accord. Et là, comme ça, il update les deux. Ok. Le lien dans le post Reddit. Ok. Et ensuite, si je reviens sur Add List, là, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Là, il est. Hop. Et là, on peut voir 160 domaines de bloqués. Ok. Donc maintenant, si je retourne dans mon dashboard. Quand je lis et que je liste les queries bloquées, on peut voir. Bah, je vais rebooter l'ordinateur Windows, tiens. Allez, juste pour le lol. Win, hop, t'es là. Voilà. On va juste le dire restart. On va pas lui faire Windows Update. Hop, on verra ça plus tard. Allez, juste restart. Hop, et ensuite, on revient ici. Et si je reviens dans le dashboard, est-ce que pour le moment, dans les queries bloquées... Non, 135. Ah, voilà, settings-win, bam, bam. Il les a bloqués. Alors, mais par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il écrit toujours Gravity. Parce que pour lui, c'est dans les blocklists... Pour lui, c'est dans les blocklists. Il est où le Windows? Il est là. Please wait. Ok. Donc forcément, là, il fait plus de... Il n'en fait plus. Ok. C'est instructif tout ça. Allez, bien joué, Sébastux, pour avoir trouvé la petite, le petit blocage de télémétrie. Hop. Voilà. Alors la question que je me pose, c'est du coup maintenant il est vraiment bloqué en... Il est vraiment bloqué de chez bloqué ou c'est juste... Parce que là maintenant il m'affiche pas les... Alors je voudrais retourner voir dans les settings. Si ça embête Microsoft, ça te fait plaisir. Est-ce que ça a bloqué les Windows Update ou pas? Parce que bon, la télémétrie c'est une chose, les mises à jour c'est important. D'accord. Restart required. Ouais, ok. Donc ça c'est plutôt. Ça a priori ça gêne pas. Ah oui, c'est juste qu'il l'a téléchargé, il l'a déjà téléchargé en fait. Et est-ce que je peux faire un petit. Une petite vérification ou pas? Non? Non. Ça, c'était les trucs de sécu. Ok. Donc là, il a dû redémarrer, il a dû m'en retrouver d'autres. Puisqu'il a tenté d'accéder. Voilà, il a tenté d'accéder à la télémétrie. Et il retente régulièrement. Alors, Yatoub, effectivement, la télémétrie ne bloque pas les updates. Mais imagine, imagine l'espace d'un instant qu'il y ait quelqu'un qui se dise, tiens, si jamais on mettait... Les domaines de télémétrie sur les mêmes domaines que les mises à jour.
Comme ça, pour avoir les mises à jour, les gens doivent activer la télémétrie. Imagine. Imagine un peu. Mais bon, fort heureusement, personne n'a été aussi fou chez Microsoft. Bien, est-ce que vous avez un dernier truc à tester? Ou pas? Je pense que le AdGuard, on le fera la semaine prochaine. Ça peut être marrant de jeter un œil. Parmi les autres trucs sur lesquels j'aimerais bien essayer de voir un peu plus, je pense que ça va être les installations en conteneur. Puisqu'a priori, PyVPN, a priori, on peut l'installer via Docker, si j'ai bien compris. C'est ça, bon, il y a un truc expérimental pour Docker, pour PyVPN. Et pour PyOl, a priori, on a aussi... Si je vais sur py-all... Bah attends, je l'ai ailleurs, PyOl.net, non? Hop, il était là. Et PyOl.net, a priori, il y a Docker. Donc ça peut être intéressant. Sébastux, tu l'as installé avec toute la télémétrie activée. Alors Sébastux, j'ai fait l'installation de base entre guillemets du Windows en mode je vais pas lancer de script à la fin qui va me désactiver des trucs par exemple. Mais à chaque fois qu'il me demandait des choses du genre est-ce que je veux activer la localisation, est-ce que je veux activer Cortana, est-ce que je veux utiliser mon compte en ligne, à chaque fois je disais non 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 non. Et Yatoub qui dit ce serait bien un move que pourrait faire Microsoft. Effectivement. Ah, c'est à ça que tu pensais? Ok. Bah, donc effectivement, la télémétrie de base est activée sur cette installation-là de Windows. Voili voilou. Mais oui, du coup, ce que je suis en train de me dire, c'est que on pourra faire encore quelques épisodes, pourquoi pas AdGuard, pourquoi pas les installations en conteneur, pour essayer de varier un peu, en fait, et de voir un peu comment ça se gère. Parce qu'en conteneur, la problématique, ça va être aussi justement le stockage des logs et leur rotation aussi. Donc je suis curieux de voir ça. Ça pourrait être un exemple intéressant. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, hein. Je pense qu'on s'est bien amusé. Moi, en tout cas, j'ai vu des trucs assez intéressants. Mon premier tunnel WireGuard, au passage. Alors, hop, on va repasser comme ça. Alors, petite question avant que je déroule mes petites habitudes de fin de stream. Est-ce que vous auriez quelqu'un à raider? Parce que j'ai personne dans mes follow. Eh, Rancune, tu voudrais pas aller streamer? Ça fait longtemps que je t'ai pas raidé, Rancune. Si t'es encore dans le coin. Bon, en tout cas, c'était chouette de vous avoir, toutes et tous. Comme d'habitude, alors, exceptionnellement, bah, ce stream-là, je vais pas le mettre dans les replays, malheureusement. Mais bah, il sera un moment sur YouTube, et puis bah, je flouterai les quelques infos que je ne souhaite pas divulguer. Habituellement, sinon, je stream les jeudis de 20h à 22h. Donc, bah, pour El Longo de la Vegas, justement, bonne soirée et à quand? Et ben, à jeudi 20h. Sinon, et ben, la semaine prochaine, de 18h à 20h. Entre les streams, et ben, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre aussi sur le Discord, dont les adresses sont en dessous. Et normalement, vous pouvez cliquer sur les trucs Twitch. Il y a notamment mon site anotherhomepage.org qui vous donne toutes mes présences sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Hein. Merci à toi aussi, Yatoub et McCall. Et toutes et tous. Effectivement, Haribo, je vais penser à flouter la vidéo YouTube. Oui, je vais garder ça dans un coin. Voili voilou. Donc, eh ben, écoutez, si on n'a personne à raider ce soir, on n'a personne à raider ce soir. Moi, je vous dis à ciao. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis ben, un bon début de semaine. Bye 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 bye.